Bonjour à tous, je me présente tout d'abord, je m'appelle Souf Sobara, je suis chargé de gestion administrative au CSE de Mayotte La Première. Je tenais à travers ces quelques mots vous faire partager ma situation, une situation très compliquée puisque depuis ces mesures de confinement, je reste chez moi, je travaille chez moi. Sauf que bon, une fois par semaine, je dois m'y rendre à la station. Et déjà, sur le chemin, on se demande est-ce qu'on ne va pas choper un truc dehors. Et en étant à la station, hier, j'y étais justement. Et vraiment, j'ai été un peu choqué puisque même entre collègues, à peine on se dit bonjour, à peine on se regarde, tellement on se dit peut-être je vais choper quelque chose. Et donc, c'est très compliqué. Vraiment très compliqué, mais c'est pas fini puisque quand on rentre chez nous, on se dit est-ce qu'on va pas aussi faire passer des virus à la maison, puisque moi personnellement j'ai des parents qui sont très âgés et quand je dois les rendre visite, là aussi je me pose beaucoup de questions et donc il faut faire attention. En tout cas, si j'ai un message à faire passer, c'est que nous devons faire très attention quand on sort dehors, quand nous sommes obligés de sortir, faire très attention. Prendre soin de notre famille, c'est vraiment la chose la plus importante à faire. Et ceux qui travaillent, les collègues, je pense aussi aux collègues qui travaillent, les journalistes qui sont sur les terrains, et donc je pense beaucoup à eux, puisqu'ils sont vraiment en contact avec des gens, et là aussi c'est vraiment risqué. Et donc nous devons faire attention. Nous devons continuer à prendre des nouvelles des autres, de la famille, même des collègues. Aujourd'hui, il y a le téléphone, il y a des vidéos. On peut se voir, essayer de vraiment déstresser parce que c'est très compliqué. Voilà le petit message que je voulais passer. Et surtout, courage, en espérant que cette maladie va vite passer et que ça sera vraiment dans les oubliettes. À très bientôt et prenez soin de vous.